Salut tout le monde! C'est Kevostam 3.0 pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez compris, je vais tester enfin la Dreamcast et quelques jeunesses que j'ai trouvées en convention depuis 2 mois. Tout d'abord, je vais faire une dédicace en version ASMR pour quelques amis. Dédicace pour Tomio Dosan. Ensuite, nous avons par exemple Ewan Yiping, Pierre LCS, Nicolas CR. Joseph de la synagogue, Jean-Yves à l'incroyable pantalon beige bien rempli, Bisous, Binous adore, Timmy Tartine, Devion Gensuken, et une spéciale dédicace à la collection Sublister de la Warp Zone qui est grosse d'Europe. Voilà. Et je fais même une dédicace à Super GG et en même temps à Jackie Dark. Et si toi aussi tu veux une dédicace, n'hésitez pas à me dire en espace des commentaires sur le commentaire épinglé de ma vidéo. Je vous dis top générique, à tout de suite après les images du jour. Je vais tester la Dreamcast et les jeux dans mon jardin. A tout de suite. Nous voici après l'intro, je me trouve directement dans le jardin de ma grand-mère. Je vais vous montrer où est-ce que je vais tester enfin la Dreamcast et les jeux NES environ ici. J'ai posé la Dreamcast là, la télé cathodique là, et là on entend un peu les voisins. Les jeux NES sont là, et la NES est là-dedans dans la boîte. J'ai pris par exemple une multiprise et une rallonge pour pouvoir tester la console dans le jardin. Et oui. Comme j'ai joué quand j'étais petit dans mon jardin, ça va me faire rappeler des souvenirs nostalgiques. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si je peux tester des autres consoles trouvées en convention ou en vide-grenier dans le jardin, au cas où. Mais uniquement s'il fait bon en été. Voilà. À tout de suite pour le test de console. Donc, nous allons tester la Dreamcast avec le jeu Plasma Sword, sorti dans les années 2000. Et désolé s'il y a du bruit à l'arrière parce qu'il y a des gens qui font du boucan. On va tester un Illico Presto. Et donc, je vais utiliser ma vieille télé cathodique pour faire revivre la magie de l'époque. Attention, le bruit. Voilà, c'est la neige comme à l'époque. Maintenant, on va allumer la Dreamcast. Comme il n'y a pas de jeu dedans, je vais vérifier au cas où. Attendez, je vais la mettre sur le port, comme ça. Et ben, ça faisait longtemps qu'elle a été allumée. Mettre le jeu dans la console pour voir si la lentille fonctionne. Et désolé pour le bruit à l'arrière.
Vérification, au cas où. Ouais. Sega. Elle marche le tonnerre. Un petit peu de son comme à l'époque. On va faire ça. Donc c'est du 50 Hz. Ouais, je me mets comme ça au cas où pour regarder la caméra et je retourne un peu la télé cathodique au cas où. Capcom presents Last Last World. Autre chose. Donc, cette Dreamcast marche parfaitement. Et donc, on conclut que la lentille marche bien. Maintenant, je vais tester les jeunesses, au cas où. Allez, à tout de suite.
petite rectification. Je vais devoir jouer avec The Horse of the Dead 2 avec celui-ci parce qu'il ne marche qu'avec des télécathodiques. On va voir s'il marche ou pas. Au cas où. On va installer le jeu dans la console. Voilà. On la serre tout doucement. Et on se teste. Je vais mettre comme ça pour voir si je sais avoir les zombies. The house of the dead. On va voir après si elle marche. Ready? Go! Don't kill me! Failed. Elle ne marche pas. Donc on va voir un peu ce qu'il fait. Tiens, il se passe un truc. On va réessayer un peu. The house of the dead. On va faire un petit mouvement avec la manette. Pour voir si c'est pas avec la deuxième manette que ça foire. Ready? Go! Don't kill me! Problème, donc ça ne marchait pas avec ça. Donc ceci est un fail avec ça, enfin avec ce blaster. Allez, je vais tester jeunesse au cas où. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait un peu de changement. J'ai dû changer de télé cathodique parce que l'autre il n'utilisait pas les jeunesses comme celui-là. Attendez, voilà une autre télé cathodique. Et la NES elle est là. On va tester
le docteur Mario. Je vais mettre la caméra autrement. À tout de suite. Je vais brancher le docteur Mario. On va voir si il marche. Voilà, parfait. Je vais diminuer un peu le son. Je vais mettre en mode médium. Voilà, bien ouvert. On va essayer. Voilà. Désolé pour les sons des cloches. Maintenant, on va essayer un autre jeu qui est en fait le Roi Lion. Allons-y, changement de jeu. Je le mets ici. Maintenant, on va tester le Roi Lion. Donc on va faire autrement. Voilà. Il a capté le Roi Lion. Désolé.
désolé pour le bruit des chiens du voisin. Il marche bien le roi lion. On va essayer Popeye. Le jeu AMD. Voilà. Là, il clignote. Donc, on va faire autrement. Comme ça. Donc, on va faire comme ça, bien enfoncé. Voilà, ça va. Essayons comme ça. Voilà. Donc, il marche bien le Popeye. Donc, on va tester un autre jeu très simple de Super Mario Bros. 3. Voilà, ça clignote encore. Essayons le soutien. Voilà. Je suis désolé pour les courants d'air. Voilà. Et il marche. Ah, il n'y a pas de soucis. Ah, je me suis trompé. Ça me rappelle de bons souvenirs tout ça. C'est un véritable succès. Donc, je crains qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker,
et à vous abonner. Je vous embrasse tous. Bye bye.